Mais je l'ai pas, je crois, à JD. Ah, si, je l'ai, je l'ai. Ouais, attends, ça charge, tu peux créer au pire. On fait quoi, random map ou on random save ou on fait le truc pour en choisir entre 3? Ouais, on choisit, mais puis privé du coup. Ouais. Ouais, bah du coup on fait les bans. Pangé, moi j'aime bien, ça fight. On fait Pangé et puis le reste. Équilibre des ressources. C'est pour qu'il y en ait un qui a pas de fer et tout ça, j'aime pas trop. Enfin après ouais, on va mettre aléatoire, vas-y. On laisse de base. On va faire ça à ta sauce. Comet tour. Ok, bah attends, je fais les bans. Attends, ça se lance ou pas là? Ouais, normal. Bah invite-moi et puis go. Alors les bans. Draft civil. Oh, c'est tellement de temps que j'ai pas joué à ce jeu. Vas-y, tu fais 6 bans, fais 6 bans. Ouais. Vas-y, ban Lapland. Je te banne quoi, t'as dit? Au hasard, ouais, je banne ce que je veux alors. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept. 8, 9, 10, 11, qu'est-ce qu'il reste à ban de fort? 11, 12, allez c'est bon. Vas-y, tu dis un numéro, ce sera ton numéro de joueur, et tu me dis un numéro, ce sera mon numéro de joueur. Et moi? Ok. Donc toi t'es 2, t'as Chine. Pays-Bas, Portugal. Moi, Portugal, Brésil, Maya. Ce sera Maya. Tu m'as invité? Non, mais si tu m'as invité, j'ai pas besoin de. Une nid de mort. Est-ce que je peux avoir voilà. Donc moi j'ai dit Maya Amérique Maya 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 c'est ouf. Pascal. Pascal. Ouais, c'est bon pour moi. T'as mis mixte pour les tours, mais pas simultané pour ça plus vite. Bah, si on se fait la guerre, ça va être ultra chiant. Si on a que deux sessions de 3 heures en plus. Les Mayas. Maya, de mémoire, je sais plus. Oh putain, j'ai pas mon interface. Ah si, j'ai mon interface, c'est bon, ça l'a gardé. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai pas fait gaffe.
Ah non, mais moi je crois que c'était juste pour savoir le numéro. Ok, faut relancer. Allez. Google. Je pense qu'on aurait gagné. Mon Dieu Seigneur. Ah, j'en ai un start-upé en plus pour une partie de merde. Comme ça. Je dois les défoncer quoi. J'avais des. J'avais des. T'as pas joué ton dirigeant. Hein. Tu veux faire aléatoire, ok, ça marche. Ah, tant pis pour toi. Merde, je mets en prince. Je mets en colon. Popole, plongée petite simultanée, antiquité. Pyramide, ça donne de la science, il me semble. Partir liberté et full pyramide. Est-ce que je bouge ou pas? Y a pas de bouffe là-bas en fait. Ouais, on va la faire là quand même. Ça a bugué. Je pense que je vais avoir, malgré que j'ai réinstallé le truc, je vais toujours avoir les patchs en fait. Parce que ça a un bug quand t'as les patchs. Pourtant j'ai réinstallé le jeu quoi. Parce que mon truc il a fait un instant bug. Je sais pas si toi tu l'as eu aussi. Ouais, ça a crashé. Hein. Comment savoir si j'ai pas. De quoi? Propriété, mise à jour, tu veux que je mette quoi? Ouais. J'aurais dû faire ça tout à l'heure.
Camelot Unchained. Ça a posté. Ah, One Day. Tous les fichiers ont été validés. On va réessayer un coup, mais je vais vérifier dans le truc du jeu. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Heroes of the Storm? C'est dans le E, non? Supprimer ça. Ouais, j'ai supprimé le dossier solo player machin là. Je pense que ça doit être bon du coup. Je relance ce truc. Vas-y, crée la game et invite.
pot quoi, il échange quoi du coup? Avec quel sort? Ah oui, en low spectral, ouais. 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 C'est que moi, ça nerf un peu, du coup, vu que c'est de base. Vas-y, tu peux lancer. Ouais d'accord, Star Jungle. C'est trop laid. Hein. Star Jungle c'est... Non mais là c'est genre moche quoi, no river, no rien du tout quoi. De quoi? Je sais pas, c'est possible hein. C'est moche, il n'y a pas de... Pff, oh là là. Je peux tellement pas jouer avec cette map quoi. Mettre là. Je peux attendre 2 tours pour... Pourquoi c'est chacun son tour? Ah t'as déjà joué. Ce qu'il y a. Super, le désert en bas, quoi. Cette map de Gogol. Putain, deux camps barbares, c'est putain de ruines de merde. My god.
Celle, c'est quoi, c'est carrière? Non. Non, c'est juste. C'est mine. Il y a la Syrie aussi. Belle map de merde, hein. Bouffe pour l'instant, mais heureusement que j'ai bougé au début parce que pour la jungle, c'est genre impossible de start bien, quoi. Oh là là, le Portugal est déjà à côté de moi, à côté de ma capitale, t'es sérieux? Et ceux qui ont fait la grande bibliothèque? Non. Moi, ils sont déjà tous autour, les potes.
Il est à droite de moi, Attila, je pense. Moi, je suis à gauche de la map, mais moi j'ai le Portugal qui m'a déjà collé à ma capitale. Il y a une grosse ligne de montagne, hein. On peut pas passer à Attends, ça... Ok. J'ai des bugs de jeu, de son, moi. Ok. Sauvegarde, 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 mon jeu a planté. Ça valide pas le tour. C'est quoi ce délire? Attention, ça bloque le temps. T'avais mis Pit Boss dans les options. Pit Boss. C'est un truc qui. Enfin, c'est genre chef de salle ou un truc genre. Et ça, en fait, ça permet que si un mec live, et bah ça empêche de. Comment dire? Que les tours continuent. Parce que tant que quelqu'un rejoint. On voit la vite. Pourquoi le timer part? Non. À 0 seconde mon gars. Bah franchement je pense que ce serait mieux. Ouais, ils ont que un ranch. Faire le temps de faire 2-3 villes. Après, je pense que tous les bateaux ont tout pris. J'ai une ville là. Ça, 0 secondes pour l'instant. Dans la ville fermée. Pourquoi ça bug comme ça? T'as pas enregistré la partie? Ah, quitte là et on re tu, re tu la recharges. Ouais, c'est les Mayas, hein. C'est pas au jour. Qui cuisine? MG. C'est la récompense 5 étoiles. T'as plusieurs...
comme payload, les gars. Ah, ça marche pour moi. Oh putain, je me fais ken. Ok, alors j'ai perdu mon unit, c'est super cool. Je me suis fait trishot par des. Par des barbares. Non! Oh putain, non, c'est bon, je sais que j'avais un bug.
Non, c'est un truc de fou. Poubelle, je vais la mettre là. Le bot, mon gars, il a fait sa ville, il a tout acheté. Il a tout acheté ou toi? Direct. Putain, faut que j'achète ça. Moi. Oh là là, statut de sauce. Il va me
Ça, c'est ce qu'ils te font croire. Thank you.
vu cette chaîne de montagne, mon gars, c'est sale. C'est vraiment sale. Ah bah ouais, bah moi j'ai pas le choix, je vais défoncer la diamant. Je n'ai absolument pas le choix. Ça, c'est lui qui me défonce, ça. J'étais seul. Oh god! Oh bah le portugais il va ne plus vouloir essayer de nous mettre une cannelle. Il a déjà tellement d'unites. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Thank you.
C'est qui Smurfy 44? Tu es qui? Where are you? Smurfy. Du coup, on est où? J'ai quand même peur de. De ce mec là. Ça présage rien de bon. Botan immortel. Ça fait un peu d'unité sur les autres trucs. Faut du coton, on va aller faire ça. Hop. On va le placer là. On va terminer ça du coup, c'est cool. De bonheur, pas trop trop mal. Ok, il a fait la grande muraille, le Daxo. Alors sur quoi on part en deuxième, c'est ça la question. À partir là-dessus jusqu'à la science. On va relancer ici aussi. C'est qui Smurfy du coup? Porte bouclier du bar, le X tu hein. Je t'ai jamais vu gagner. Perso, je t'ai jamais vu gagner à Hearthstone quand j'étais là. Alors. Du coup. De partir sur les amphis une fois que j'aurai fait ça. Ah, c'est sur les caravanes, on va foutre full boue vers la. Vers ma capitale. On va partir en trois villes du coup, on va pas. Ça sert à rien de faire des villes poubelles. Et là, bah, on va faire la route du coup. Pour gagner des PO en plus. Il y a plus 15 par tour. Et lui aussi va te faire la route. Vers ma deuxième ville, hop, et on va le faire revenir aussi. Milan est attaqué, ok, on s'en fout, on s'en fout. Royal, route vers, hop. Moi j'ai gagné que le clavier une fois. Il n'y avait personne ce jour-là, j'ai bien choisi mon joueur. Mais ouais, des tournois Hearthstone au Game Over, lol quoi. Du coup.
Oh, sans banc là. Sans le faire revenir, il va falloir défendre là, le Portugais, il va essayer de nous mettre une quenelle. Là. Il y a plein d'unités autour de chez nous. Ça sent le caca. On va les check vite fait. Ok, rien de plus. Je pense que ça l'a calmé que j'ai fait des units. Parce que là, du coup, on est à 22 000. Ouais. Sachant que Dax a augmenté 1 000, c'est-à-dire qu'il doit avoir pas mal d'unités quand même. Il a déjà 2. Au niveau de la science, on en est où? On est dernier en science. En égalité avec Dax à 21%, je pense. Ça, on va les rattraper plus tard. Restez là tranquillou. Ok, donc là on va pouvoir commencer à faire quoi? On va refaire une caravane. Je peux en faire une de plus, d'accord. Encore bien niveau bonheur, on n'a pas besoin d'autre chose. Là par contre on va faire un hôtel de la monnaie parce qu'on peut avoir. Alors, on va faire un hôtel de la monnaie parce qu'on a 3 argent. Ça va faire de l'input gold. Caravane vers la capitale qui s'appelle Palanque. T'as battu campion final, mais quel exploit! T'es passé légende au moins depuis. Ça fait longtemps que je suis pas croisé au go parce que j'y vais plus pour Smash moi donc. On va se tenter ça. Du coup là, est-ce qu'on part sur l'éducation ou pas? Non, je pense qu'on va plutôt partir là-dessus. Histoire d'augmenter la prod de nos villes. D'abord, et après on partira sur l'université. Dans les villes. Ok, moi je préfère d'abord faire ça. Hop. Lui je peux déjà l'augmenter. Ah c'est un lancier, d'accord. On va attendre. On va mettre le deuxième marché composite là pour pas qu'il coûte 2 gold par tour. Et on va le mettre en def. Quand même chaud parce qu'il a quand même pas mal d'archers de. Le truc en visée. Hop. Pourquoi on génère plus que 3 gold par tour? Je sais pas. Ok, on va échanger la Dax. Elle est sympa. Il n'y a personne avec qui je peux échanger contre. Ah si, peut-être lui. Est-ce que tu veux de la grippe contre 6 heures par tour? Ça m'a l'air legit, 6 heures par tour. Ouais. Ok. Y a Tila? Oh, il y a moins 10. Tila, il va couler. Ouais donc pour le bouclier t'es légende au moins depuis le temps parce que je sais que t'étais bloqué au rang 1, t'as fait pleurer et tout parce que t'arrivais pas et chaque fois tu finissais rang 1, la malédiction du rang 1. Pagode aussi ici. La question c'est qu'est-ce que je vais faire?
faire marcher. J'ai un seul cheval, ça sert à rien de faire une écurie. On va faire une deuxième caravane pour l'envoyer vers la capitale. Alors cette ville-là a vraiment besoin de... Alors ma capitale. Mais je te donne ça, c'est bon. Sur la guilde des écrivains, et après on partira sur autre chose. Alors, une doctrine. Du coup, on va partir là-dessus. Hop, faut gagner du temps. Et ensuite. Est-ce qu'on part là-dessus ou pas? On a déjà l'atelier. Ça c'est important, on va rush. On va essayer de rush plutôt. Du coup, là il nous faut de la nourriture. On va faire du coup une ferme à côté de... à côté d'une rivière. Pour avoir 3 de bouffe, 1 de prod. Donc là on augmente encore notre input gold. Hop, on va up. Les unités. Petit truc sympa. Alors, on a combien de fois là? 57. Et là on va faire... un atelier. Hop. Là aussi. Et lui, il a fini de faire la route. Du coup, on va quand même faire des aménagements dans la capitale. On va aller là. On va faire une ferme. Il y a vraiment que le portugais là qui peut vraiment nous faire chier. La rigueur lui en haut là. On part sur l'atelier aussi ici. C'est sur l'épopée qui va augmenter le... la culture. Il faut des gold, il faut de la bouffe. Du coup ouais, je vais faire ça aussi avec lui. Hop, une ferme. On envoie toujours la bouffe vers la capitale qui est déjà level 15. Il en est où? Elle est 14 celle de Dax. Dax qui a deux villes seulement, qui part sur la guerre. Disons que ma poids ça marche bien, pas trop bien, je score 1 et ça marche plus du tout. Genre dernière saison, j'ai pas joué, j'ai fait rank 1 le 3 du mois, puis j'ai pas rejoué, j'ai fini 5. Non mais leader c'est la pression ça. La pression du leader. Alors le mec essaie de m'envoyer des trucs sur la face.
problème, c'est que ils sont trop chiants à gérer niveau A. Niveau religion, les IA. Ok, un espion a été recruté. Où est-ce qu'on va le mettre? Ça, la question. Soit on vole une technologie, soit on essaye de. On va aller vers Sydney, je pense. On va envoyer notre espion là-bas. Alors, Sydney. Ok. Du coup, nous, on part sur ça. Hop. Classe, lui, c'est bon. Hop. Faut que je finisse la route, hein. Fin de Sophie. Ok, je peux utiliser ma foi, du coup on va utiliser un. Faire de caravane. Partir là-dessus. On va faire ça. Et là, lui, qu'est-ce qu'il peut me faire? Est-ce qu'il a acheté tellement de trucs? Je peux acheter une case et prendre ça, avoir un peu plus de pop encore. Case rivière. Hop. Non, je peux pas aller là. On va faire une. Alors, on va prendre un missionnaire. Parce que là, il est en train de se faire bouffer la religion. Donc là on fait ça, hop. Modoc et Attila qui sont pas bien dans la game. Alors on va essayer de convertir ma propre ville. Voilà. C'est-à-dire que quand j'aurai 100 tranches, je pourrais repartir à faire une pagode en plus. Après, je pourrais me faire. Comment dire? Je pourrais me faire convertir et acheter les bâtiments du portugais. Ça me donnera toujours de la foi en plus et du bonheur, sûrement. De la culture, tout ça, donc. Ce sera cool. Ouais. Ouais, je suis pas trop. Je suis pas trop emballé par le nouveau leader de standard là. Ça va. Ça fait deux modes de jeu, mais bon. Puis il y a le carte, puis il y a de diversité. Je pense quand c'est quand t'es en format, c'est comme la magie, quand t'es en format bloc, il y a moins de jeux encore. Enfin, c'est encore moins de jeux qui sont viables en fait. Il y a encore plus de cartes qui vont revenir, donc il va encore avoir moins de diversité de base, selon la logique. Est-ce que je peux faire un temple là? Ça sert à rien. On va partir sur. Caserne. Ok, donc là on peut faire ça. Ok, en un tour j'ai perdu ma religion. C'est craqué. J'ai 7 adeptes. Ah, c'est chaud. Ok, ma ville a changé de camp. Il a converti ma capitale. Ok, on va faire l'usine sur Jolicafré. Hop.
là, on part sur l'amphi. Hop. Je crois que Dax fait la guerre. Voilà. Thalès commence la guerre, donc Dax commence à abuser de l'IA, c'est parti. Ok, donc là on a fini de faire tout ce qu'on voulait. On va commencer à... On peut peut-être échanger avec Attila, du coup. Cuivre contre argent, est-ce qu'il va vouloir ? Là, je peux échanger avec pas trop de monde. Moins 12. Ah, les boss, les bots qui sont vraiment pas bien en thune. Dax a plus 39. Je pense qu'il a dû faire plein de caravanes du coup. Donc nous on a 2 sur 2 en caravane. Pour l'instant on peut pas faire plus de caravanes que ça. Du coup on a que 2. On va avoir celui-là. Ça ferait que 2 de prod si je fais ça. On va partir sur un temple. Peut-être. Caravane sérail. On va partir sur... Sur une écurie. Lui, qu'est-ce qu'il peut me faire? Donc là, j'ai plus de trucs à exploiter. On va aller faire ça. Hop. Lui, qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Là, faire une scierie. Non, c'est de la merde. Allez, 11, celle-là, celle-là et 6. En fait, là, il faut full bouffe. Il faudrait full bouffe. On va le mettre en auto, on s'en fout. Du coup, j'ai pas eu Notre-Dame tout à l'heure, c'est ça? Qui a eu Notre-Dame? C'est rien, ok. Du coup, on va partir quand même là-dessus, je pense. Ce sera toujours de la culture en plus. Parce que là, j'ai pas encore fait mes bâtiments de bonheur d'ailleurs. On va partir là-dessus. Là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On va faire une ferme ici. Hop. Donc, alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste fait la grande muraille. Il a 25 techno. On en a 24. Donc, on en a un retard un peu sur Dax. Donc, là, on a remonté un peu le bot. Le Portugal qui est pas bien en science. Donc, c'est bon. Il va pas nous faire trop chier au niveau de la guerre. Ok, personnage illustre, ça c'est cool. On va pouvoir le garder. Est-ce que je le mets? Ouais, je pense que je vais le mettre du coup, ça augmentera la prod. On va le mettre ici. Oula. Non, on va mieux le mettre ici. Du coup, là, on va faire ça. Là, on va faire ça. Hop. Du coup, là, on va monter le bonheur de cette ville. On va faire un cirque d'abord. Donc là il nous faut la renaissance pour choper le... On va le choper avec ça. Pour commencer à faire du coup les premiers points en science. Donc ça va bien se faire. Donc on va faire un colisée là. Hop. Là on va construire ça. Donc là on va avoir vraiment full prod sur notre capitale. Avec l'usine on va passer à je sais pas combien, 40. À ce moment de la partie c'est pas mal. Est-ce que ça se tape à la cour d'Attila? Moi, Dax qui va sûrement rouler sur l'ordi, vu qu'il a les unités OP. Alors moi, il y a une seule truc que j'ai pas vu encore, c'est celui qui est premier en science. Je sais pas qui c'est, on va voir ici du coup. Ok, c'est le coréen, ok le coréen. Ça va être assez chiant.
Moi ça m'intéresse, car il aurait été trop compliqué sinon je pense. Car bon, Reno aurait dû être nerf instant, m'a dit Ghost aussi, vu qu'on rajoute de plus en plus de sorts. Et je parle pas de moyen d'accélération du druide. Je trouve quand même que tout, y a au moins un deck par classe qui est jouable et on peut monter les gens avec, tu vois. Après le truc c'est que forcément quand c'est des compétitions, c'est bien qu'ils ont un jeu varié, mais tu sais, enfin t'as farmé les cartes Gobelins et Gnomes, tout ça, et que là tu peux plus les jouer, je trouve ça un peu laid. Puis y a de cartes, puis y a de mécaniques possibles en fait, puis y a de combos, puis le mec sait pas à quoi s'attendre, tu vois. Et en mode le mode bloc là, ça va être moins de jeux. Donc plus et plus moyen de jeu, plus les gens ont tendance à jouer le jeu qui va y gagner. Donc je sens que ça va être je sens que ça va être moins de jeux et encore plus de redondants en fait. Moi, je vois ça comme ça. N'est pas si bien en bonheur, malheureusement. On va toujours essayer d'échanger avec Attila au cas où il a changé d'avis. S'il va choper tous les trucs à Attila, s'il le bouffe. Là, je pas fait gaffe, mais peut-être que je peux acheter un bâtiment. Ok, alors, petit artistiliste. On est pas mal en culture, je peux combien il est Dux? Dux a plus 22, alors qu'on a plus 43, donc on va beaucoup. Alors, lui, ce bâtard a fait aucun bâtiment de foi. Qu'est-ce que ça me donne? Plus 100 la première fois qu'il vient. Les jardins fournissent deux bonheurs à la ville. Ok, les temples confèrent deux bonheurs à la ville. Ok, bon, on va faire un peu des temples un peu partout, je pense. Du coup, on va faire un temple qui va donner deux de bonheur. Et là, on va faire aussi un temple, du coup, je pense. Ouais, on va faire un temple aussi. Plus tard, ça permettra d'acheter des. Mais j'ai toujours pas fait la théologie, c'est quoi l'histoire là? Bon, je suis pas en train de profiter de mes. Je suis un théologien en deux tours, j'ai trop fait la brutie. J'aurais dû racheter aujourd'hui, j'ai oublié que je jouais les Mayas quoi. Rito. On fait une ferme. Il nous faut vraiment de la prod quoi. De la. Ouais, je suis obligé de partir là-dessus quoi. Alors on a 810 de trucs. Attends, est-ce que je peux pas acheter un truc qui me donnera de la bouffe là? Non, du tout. Faut que j'achète un. Faut que je fasse une. Envoyer de la bouffe vers là parce que c'est pas possible. On va quand même l'envoyer. Ah, je l'aurais envoyé à Chitensa. Faut que j'envoie Palanque. Palanque est déjà level 19. Elle est combien sa ville? Elle est 17. La taxe. Dax qui a pris la première vie d'Attila, il va continuer. Ça pue un peu la mort là, clairement. Dax qui va snowball s'il commence à prendre tout. Du coup, là on part sur quoi? Fort, j'aurais pas trop d'intérêt. Marcher, c'est pas mal. Partir sur le temple aussi. Écoliser. J'ai vraiment fait l'abruti en fait. Vieilles cases qui sont exploitées quand même. Mettre en auto-OZEF maintenant, on a fait le plus gros du boulot. Faut que j'envoie des caravanes vers là, obligatoirement. Je suis pas le dernier en soldat, c'est l'Assyrien. D'accord. Faudrait peut-être que j'essaye de niquer Braga. Est-ce que je fais la guerre? Est-ce qu'il est vraiment pas bien en science?
problème là, c'est que Dax il va péter des culs. La cour d'Attila est pas si loin de moi. Ça. À faire des petites fermes. Qui va tomber. Il m'a repris Vedja, je sais pas comment, j'ai perdu le jeu. Passé quoi? Il m'a repris Vedja, alors qu'elle était bien, et j'ai juste eu une trirène, et après je me suis pris une attaque à distance, et je sais pas par qui. C'est bon, c'est le ruine quand même. Ouais, c'est sûr, mais ça me tard. Et... Oh, bon, tu vas tellement être bien, mon gars. Je vais choper peut-être tellement de villes. Non, c'est à moi de faire tour suivant en fait. Ok, donc là on peut partir. Alors, c'est la merde. Ok, on part là-dessus du coup. Et on va partir là, du coup, maintenant. Et essayer d'augmenter un peu tout ça. Ok. Pourra jouer en wild, il y a des tournois wild mais pas officiel, genre le bar chacun, mais je vais lui proposer tournoi à l'eau standard et d'autres en wild. Franchement je trouve que c'est mieux d'avoir les tournois, enfin après ça permet aux noobs d'avoir moins à farm, mais quand t'as passé ton temps à craft des trucs en doré qui étaient des anciennes trucs et tu peux pas les jouer, ça fout un peu le seum quoi. Ouais, Attila, les pyramides d'Attila. Ok, je peux enfin faire un truc. Franchement, j'ai tellement misplay là. J'ai tellement misplay, j'aurais tellement dû faire la théologie plus vite. Abusé. Du coup, là, on fait une ferme. Là, le but, c'est vraiment de faire monter à fond le bonheur. Je vais choisir d'attaquer Braga. Mais t'as envie, tu veux pas crever? Non, t'as pas envie de crever.
faire ça. Je peux toujours pas faire de. Faut une route commerciale en plus là, genre ça. Ça serait pas mal. Ok. Ça c'est un peu nul en fait. Je sais pas pourquoi je l'ai gardé, mais on va faire ça quand même. Ok, les gens ont perdu leur capitale. Taxe. C'est parti. Okay, je peux être en âge d'or, ça peut être pas mal. 39 de gold en plus. Donc là, taxe qui est rendu là. Taxe qui va faire la guerre. Bon, on a du cash, faut mieux le garder et instant des units plus tard. En 3 tours, on va instant une caravane, je pense. Du coup, il faudrait peut-être aussi que je prenne genre ça. Pour avoir une route commerciale en plus en un tour. Et ça derrière. Ouais. Parce que la Tika elle progresse pas. Donc là, l'université quand même ici. Là, on va continuer à faire de la bouffe à foison. Alors là, avec notre bonheur, on a pas mal de culture du coup, qu'on est parti là-dessus. Plus vite vous faites des doctrines, plus vite vous gagnez à fond de science en fait, ça va donner full science. Il vaut mieux avoir plusieurs grosses villes avec ça et que plein de petites. Au niveau de génération de science dans le mode normal. Un jeu fourre-tout. Ouais. On part là-dessus. Hop. Là, on va faire la free caravane. Hop. On va acheter la caravane. Pas perdre de temps. Elle est level 8. Hein. Elle est vraiment en retard cette ville. Alors, ma ville s'est convertie. Ça, c'est cool. Ça va me faire du bonheur en plus, du coup. Ok, du coup un mec en plus, du coup, je vois pas, c'est d'accord, on va continuer à faire des petits, on va plutôt le mettre là. Ensuite, donc là c'était le truc du théâtre du globe, alors est-ce qu'on fait un théâtre du globe, ça donnerait quoi de, avec des chefs d'œuvre. C'est pas si ouf hein. On va quand même le faire, c'est de la culture. Culture c'est jamais sale. Du coup, là on part sur quoi? Est-ce qu'on part là-dessus? Ouais, on va partir là-dessus et là-dessus. Alors on envoie de la bouffe à Tikal.
Et on va envoyer de la bouffe à Tikal aussi. Alors, ici. On va faire la banque. Ça génère tellement d'argent ici qu'on a besoin de la banque. Parce que là, niveau thune, en output, Tikal, elle est à combien? Elle a 26. Ah, elle gagne moins d'argent que ma capitale. D'accord. Chelou. Peut-être parce que je suis en âge d'or. Donc c'est Pékin qui est le chef. On va faire ça. Non, ça m'a l'air pas bien en fait. On va faire ça. Alors, donc là, ça c'est fort. Alors là, on passe à 197 de 226, on a 32 sciences grâce à ça. Et là, on va voir si je peux pas mettre. Ok, il y a déjà les trucs qui sont mis dedans. Enfin, ça, ça marchait après. C'est tellement fort ça. Ça aussi. On va partir comme ça. Il faut d'abord que je fasse... Parce que non, Pékin est pas côtier de montagne. Quelques spadassins, hein. On va se reculer quand même. Alors, est-ce qu'on peut pas échanger avec quelqu'un? Je vous le rendra. Est-ce qu'on part là-dessus? Opéra. T'acceptes l'accord? Enfin, t'as fait la chapelle fistine, bâtard. Du coup, personne n'a du coton. Peut-être l'échanger avec lui quand même. On sait jamais. Non. Ok, il commence à avoir des trébuchets tout seul, mec. C'est un bot facile à défendre. Tu vas faire des fermes. Rendre l'autre pute de bouffe qui est pas mal. Pour envoyer de la bouffe ici aussi quand on aura assez de nourriture. Qu'on
aura fait le marché, on pourra faire la compagnie des Indes. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? Il veut faire la guerre avec les Spadassins? C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de cités états alliés. Hein. On en a 5. Elle est partie sur Messena. On va être sneaky quoi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut construire? On va faire ça. D'abord. Ok. Par contre, j'en ai marre de ça. On va dire. On va avertir plus tard. On va commencer à garder pour acheter des. Du truc illustre avec mon truc plus tard. Compagnie. Alors, j'avais dit quoi? Niveau de plus, c'est quasiment pareil entre Tikal et machin, donc on va la faire là. La compagnie des Indes. Hop. On peut rentrer en âge d'or. Voilà, on rentre en âge d'or. Faire un choix. Je pense qu'on va partir là-dessus. On va continuer à stack de l'or. Comme ça, on pourra vraiment acheter directement les unités où on sera rendu. Jamais il y a la guerre. Tout, je pourrai faire toutes les casernes et toutes les. Là, on a de la science. Quand même faire un... une ferme encore. Derrière, on vend quand même pas mal de fermes là. Sur notre capitale. Je vais peut-être la faire là, plutôt. Toujours pas d'espions en plus. Mais là, il. Je sens mal la mariée première là. Là quasiment toutes les cités états là. Voilà, mode mécénat hard quoi. Assure, c'est ici. Alors il a des arquebusiers. Est-ce qu'il pourrait avoir quelque chose de petit. Le petit garçon. Tiens, plus elle a fait la cité. Alors je peux utiliser ma foi, mais j'ai pas envie. Je suis à 36 de fois par tour, donc je vais pouvoir vraiment stack pour le late game. On va faire un zoo. Avant que je revienne faire monter le. Avant que je pouvais faire un opéra ou quelque chose dans le genre. Non. Alors pour l'ermitage, il faut. Un opéra dans tout. Que mes villes là. Donc là, il a déjà construit l'opéra. On va le faire derrière. Coup d'axe qui me rattrape. C'était vraiment la rue au début, mais là il a pris les, il a 4 villes. Du coup il a 7 merveilles. Voilà, il a 6. Il a chopé quoi comme merveille? Machu Picchu, Grande Muraille, Grande Muraille, espace important, pyramide. Plus pyramide, ça fait mal.
J'appelle Sitting, du coup il a combien de... Il est à 28. Ok, on le baise en culture. Ça va faire la diff. Et ensuite, Alhambra, c'est fort. Petra, il a Petra. Ouais, bah on enregistre, on terminera ça. Alors on peut avoir ça, on va choisir quoi? Un ingé. Enfin un instant. Part sur autre chose derrière. Du coup, là on peut faire du coup les écoles publiques tout ça. Du coup, on va essayer de rush radio. On va rush radio, on va rush l'ère moderne. Hop. Alors, si on me fait quand même un peu peur. On commence à avoir des units, mais. On est bien. Alors, encore un petit garçon. Voilà, mettre ouf, on va le mettre là-dessus. Alors. On va instant ça. Technologie gratuite dans 2 tours. On va attendre, on pourrait faire un truc en 3 tours. Faire un opéra. Continue à augmenter notre pute de science, on a 204 sur notre capital. Doc, c'est à combien? Alors, on a un petit truc en plus. Je sais pas où on va le mettre. Donc là, il faut combien pour être là, leur allié? À 1053. Il faut 28 en plus pour être leur allié. Ok, ça va finir par se décanter. On va essayer de mettre un truc en culture. En haut là, Milan. Quoique, même pas besoin, je pense. Ok, bah sauvegarde, vas-y. Vas-y, vas-y. Prends ça vendredi, du coup. Ok, bah, je vais faire un sauvegarde aussi au cas où. Je vais l'appeler. Maya Daxou. Maya Daxou. Ok, ça sauvegarder. On va pouvoir quitter le jeu. On va faire un peu d'Hearthstone du coup. Some Hearthstone. Alors j'ai coupé le stream vite fait. Histoire que ça sépare bien sur Twitch, les VOD, et puis je crois.